Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour cette première vidéo de l'année 2021. Et de la part de toute l'équipe de Naughty Dog Mag, je vous souhaite une belle et heureuse année avec nous. On est à très très hâte de vivre du coup cette troisième année, puisque le 6 janvier dernier, on fêtait nos 2 ans. Et d'ailleurs, petit rappel, on met en place un concours assez exceptionnel pour vous faire gagner cette figurine pop Ellie de The Last of Us Partie 2. Donc c'est la dernière figurine pop qui est arrivée, qui est sortie il y a quelques semaines, qui est déjà en rupture de stock dans la plupart des sites revendeurs. Donc n'hésitez pas à participer dans le concours sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et sur notre compte Instagram pour essayer de gagner cette figurine pour fêter nos 2 ans. Avant de plonger vraiment à fond dans l'année 2021, on va faire un dernier tour d'horizon de l'année 2020, même si c'était pas une année complètement ouf, puisque nous allons faire un peu le bilan des principales actualités qu'il y a eu autour de Naughty Dog, puisque même si l'année était assez triste, on va dire que côté Naughty Dog, pour les fans, c'était assez chargé, et il y a eu de belles surprises et de belles choses avec l'arrivée de The Last of Us Partie 2. Donc en attendant notre article prédiction de l'année 2021 et les choses que l'on peut attendre du côté de Naughty Dog, ainsi qu'une grosse vidéo sur le film Uncharted, voici un peu ce qu'il faut retenir de l'année 2020 de Naughty Dog. C'est parti! L'année commençait fort puisque dès le 1er janvier 2020, la collection Uncharted The Nathan Drake Collection était offerte sur le PlayStation Plus. On apprenait que The Last of Us était élu le jeu de la décennie par les joueurs PlayStation et nous avions eu le droit aux premières images d'un film d'animation sur The Last of Us qui fut malheureusement annulé. Et pour conclure ce mois de janvier, on apprenait que le film Uncharted était repoussé à l'année 2021 puisque, petit rappel, le film Uncharted avec donc Tom Holland était prévu pour sortir l'année dernière. En février 2020, The Last of Us Partie 2 entrait dans sa phase finale de développement, ce qui laissait présager du bon pour l'avenir et écartait un éventuel report encore une fois. En mars 2020, on apprenait que le film Uncharted avait le droit à un nouveau réalisateur, encore. HBO annonçait une série The Last of Us. La pré-production du film Uncharted était repoussée face à la pandémie de Covid-19. On apprenait de nouvelles choses autour de la culture du crunch du côté de Naughty Dog et c'est pourquoi sur Naughty Dog Mag on avait préparé un dossier spécial là-dessus et on apprenait que le film Uncharted prévu pour début 2021 était une nouvelle fois repoussé, cette fois à octobre 2021. En avril, The Last of Us Partie 2 était repoussé à une date inconnue face à la pandémie de Covid-19. C'était quand même la mauvaise nouvelle de ce début d'année, vraiment, c'était très incertain, une situation très compliquée cette période de mars et avril. On apprenait que le film Uncharted, cette fois, n'était plus repoussé mais avancé au mois de juillet 2021. Et enfin, à la fin du mois d'avril, on apprenait que The Last of Us Partie 2 sortirait finalement en juin 2020, et plus précisément le 19 juin. Quelques jours plus tard, au mois de mai, on apprenait que le développement de The Last of Us Partie 2 était enfin terminé. On avait le droit à un nouveau trailer de ce jeu qui donnait vraiment l'eau à la bouche. Et Sony, avec Naughty Dog, annonçait la PS4 Pro The Last of Us Partie 2. Juin 2020, c'est sans doute le plus gros mois de l'année, et sans doute le plus gros mois depuis le lancement de Naughty Dog Mag, puisque l'on découvrait dès le début du mois le premier spot TV de The Last of Us Partie 2. Neil Druckmann abordait déjà le cas d'un The Last of Us Partie 3 au cours d'une interview. Le trailer de lancement de The Last of Us Partie 2 était dévoilé et cette fois c'était vraiment pour faire monter la pression à quelques jours de la sortie du jeu. C'était le test en avant-première de The Last of Us Partie 2 sur Naughty Dog Mag, puisqu'on avait eu la chance de recevoir le jeu 3 semaines à l'avance par Naughty Dog et PlayStation. On faisait l'unboxing de l'édition collector de The Last of Us Partie 2. C'était la sortie, bien entendu, du jeu le 19 juin, un jeu tant attendu depuis son annonce en décembre 2016 et avec un développement si compliqué. On publiait notre série de Let's Play autour de The Last of Us Partie 2 pour ceux qui n'avaient pas la chance de l'avoir sur PS4, etc. Et ben le jeu était disponible en 4K upscale sur notre site, sur notre chaîne YouTube et notre site naughtydogmag.fr. L'unboxing de la PS4 Pro édition The Last of Us Partie 2, on apprenait qu'aucun DLC n'était au programme de cette suite des aventures de Joël et Ellie. Et enfin, on apprenait que dès sa sortie, The Last of Us Partie 2 devenait d'ores et déjà le meilleur jeu de lancement d'une exclusivité PlayStation, ce qui montrait à quel point l'attente était grande autour de la dernière production de Naughty Dog.
En juillet 2020, c'était l'unboxing de l'artbook collector de The Last of Us Partie 2 qui malheureusement est d'ores et déjà en rupture de stock. On apprenait que c'était la reprise du tournage sur le film Uncharted et on vous faisait un petit unboxing de l'édition collector sur PS4 de Jack X, une édition ultra limitée à 1500 exemplaires que vous pouvez retrouver juste en haut de la vidéo. En août 2020, c'était la sortie de la mise à jour Grounded sur The Last of Us Partie 2 qui rajoutait entre autres un nouveau mode de difficulté. The Last of Us Partie 2 était élu meilleure exclusivité de la PS4 par Games Radar, et ce même The Last of Us Partie 2 était le jeu PS4 le plus terminé par les joueurs depuis la sortie de la console en 2013, donc les records commençaient à s'enchaîner. Un mois de septembre 2020 très calme, on retiendra seulement l'Outbreak Day qui, par la même occasion, devenait le The Last of Us Day pour éviter de l'outbreak qui veut dire pandémie, épidémie, pour éviter par rapport au Covid-19. Donc à partir de maintenant, tous les ans, en septembre, ce sera le The Last of Us Day. En octobre 2020, on apprenait que tous les jeux Naughty Dog seront rétrocompatibles Day 1 sur PS5. On avait droit à un premier aperçu de Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake dans le film Uncharted, ainsi que de Mark Wahlberg dans le rôle de Victor Sullivan dans ce même film, et on apprenait également que le tournage d'Uncharted, le film Uncharted, était enfin terminé. En novembre 2020, The Last of Us Partie 2 était compatible avec les fonctionnalités haptiques de la DualSense sur PS5, HBO commandait officiellement la série The Last of Us qui commençait sa pré-production, et The Last of Us Partie 2 dominait complètement les Golden Joystick Awards 2020 en étant élu logiquement jeu de l'année. Enfin, en décembre 2020, on avait le droit à un nouveau trailer inédit de The Last of Us Partie 2 qui était centré cette fois sur l'histoire d'Abby. Neil Druckmann devenait le co-président de Naughty Dog. Et enfin, The Last of Us Partie 2 était élu le jeu de l'année au Game Awards 2020 pour conclure parfaitement cette année 2020. Voilà pour ce récap de l'année 2020 du côté Naughty Dog. Maintenant, c'est terminé, une page se tourne, place à 2021 et avec plein de beaux projets qui vont arriver, autant pour les Dogs que pour nous, puisqu'on vous prépare pas mal de nouvelles choses avec l'équipe de Naughty Dog Mag, des choses assez intéressantes autour des jeux des Dogs, autour du studio, mais aussi de l'histoire de ce studio, de l'histoire des jeux Naughty Dog. On peut pas trop vous en dire pour le moment, mais croyez-nous, il y a de grosses grosses choses qui vont arriver au cours de cette année 2021, et nous avons vraiment hâte de le partager avec vous. En attendant, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous, on se dit à très très vite dès maintenant sur notre site, nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, et encore une fois, belle année 2021 à vous tous. Salut à tous.